J'exprime tout mon soutien à Guinée-Matin qui a, en violation de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre la liberté d'opinion, la liberté d'expression, qui depuis le 15 août subit des restrictions. Alors j'en appelle à tous les esprits de bonne volonté d'œuvrer à ce que Guinée-Matin soit libéré. Parce qu'en dehors de l'information que Guinée-Matin donne, l'information professionnelle, c'est toute une entreprise qui emploie des citoyens guinéens et des citoyens guinéens qui trouvent leur salut, leur bien-être, leur existence à travers le fonctionnement de cette entreprise-là. Aujourd'hui, plus de 50 jours qu'une telle entreprise, au bénéfice général, subissent de telles restrictions, ce n'est pas normal. Encore une fois, j'exprime toute ma solidarité, tout mon soutien et j'en appelle à une libération immédiate de cette restriction, à une levée de cette restriction, une levée immédiate pour que l'entreprise puisse réellement et pleinement jouir de ses fonctions, de sa liberté d'informer les citoyens guinéens.